attention, la fois ça peut-être en ces débuts de... Quand même joue à domicile, sur leur terrain, je dirais. Lorsqu'il s'est rendu compte que Lucas Ivoirien a été battu parce qu'il est ivoirien, était bien positionné, il a renvoyé d'un pied. Alors les corners, on va suivre, le ballon est parti. Non, c'était mal négocié. Et ce ballon va être récupéré par les Ivoiriens. Peut-être que le ballon est sorti au profit de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Les matchs deviennent très très intéressants et très très serrés. On va voir, il reste encore beaucoup de temps à jouer. D'Ivoire en 2016, il est à jouer aujourd'hui de 5. Le club a vraiment tenu en haleine l'équipe prise et conduite de ballon que cette équipe montre. Le gardien international, il est avec une tête piquée. Voilà ce garçon qui revient, le numéro 2 de la ZEC. Là, on joue la 15e minute dans cette deuxième. Lorsqu'il met toutes ses forces. Voilà du ballon. Lui a enlevé l'avantage d'exploiter le vide parce que au moment où il prend le ballon, beaucoup de défenseurs ivoiriens sont revenus. Amani Yao, le coach ivoirien, va épuiser ses changements parce que là il fait monter en tête et va jouer la coupe. Mbelenga Moukoko, lui, je ne cesse de le répéter, il est très très mètre 65. Voilà, il est bien connu pour avoir joué à Kalamu dans l'équipe du FC Mundi en 3e division. Ivoirien, mais il faut aussi dire que tous les joueurs. Très belle ouverture pour le moment. Et oui, le ballon récupéré. Aïe aïe aïe. Marseille et Atlético Madrid. Voilà, attention, ce ballon est passé à côté. Hein. Vous allez réduire la marque. C'était un coup de tête vicieux, vicieux. Légèrement au-dessus de la transversale. Oui, de Fabrice Dosso qui venait de remplacer Ahmed Touré. Qui a été placé au milieu. Parmi les piliers de cette équipe de l'ASVEC. Tant mieux, s'il y a beaucoup de centres de formation. Nous saluons également le retour du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango, après une mission de longue durée à l'étroit à 1 en Coupe africaine. C'est une très très bonne chose. Récupéré maintenant par Boyombe. Ils sont partis. Aïe 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 aïe. Ils essaient de repartir. Ils sont calmes. Il a perdu le ballon. Attention Munganga. À côté. Ah ouais. Coach Yao Lambert. C'est évident parce qu'ils ont. Et ce ballon est arrivé en pleine main. L'équipe de l'ASVEC, ce ballon est arrivé en pleine main. L'équipe de l'ASVEC Club, on a l'impression qu'il cherche un troisième but pour se rassurer. Oh, l'équipe d'ASEC d'Abidjan face à. La présence. Attention à ce ballon mal négocié par Raïma Tampi. Le but, l'ouverture du score pour la RDC qui, dès les premières minutes du match, prend les devants et qui s'ouvre un petit peu plus la route vers les quarts de finale. La République démocratique du Congo mène à 0. Et ce corner qui est extrêmement mal négocié. Donner tout ce qu'on a même à cette équipe quand elle est regroupée, ça ne sert à rien d'insister dans l'axe. Et voilà, une fois sur le côté droit, Sidibé a trouvé Tekiama. Une seconde fois sur le côté gauche, c'est Moukoko qui trouve Tekiama. Donc pour l'instant on se jauge, on voit un peu les forces régulières de l'équipe adverse et c'est ce qui se passe. L'équipe, les grands joueurs sont toujours présents et c'est un match effectivement serré, peut-être défensif. Munganga pour son kaki. Vite à le ballon mais ils doivent s'en servir. Santé, non. Et Mazembe joue très bas. Alors je pense sur le plan de la Santé qui soulève. Mais le deuxième corner. Là, tu peux partir avec ce centre sur qui? À la tête. Les locaux sont on 18 goals at the moment. The same number of goals Ahmed Moussa scored, but with a whole clutch of games still to be played. So you will expect that he probably. Beaucoup de pression parce que là c'est la faute de Matondo qui est venu. Donc là ça mériterait une faute parce que semaine avancée,
ça peut causer une blessure, une fracture sur Jésus Moloko de Gapel. Le ballon rapidement récupéré. La défense de Bekler. En sous l'autre parce que jusque-là, tous les duels sont vraiment donc au niveau de. Avec. Il a perdu le ballon. Attention Munganga. À côté. Ah ouais, le ballon est entré au fond. Donc c'était un coup franc rapidement accordé à l'ASV Club Munganga. Munganga bien joué. L'équipe qui va gagner ce soir. Parce que pour les coachs Yao Lambert. C'est évident parce qu'ils ont peur. Et en regardant ce qui se passe, lui en fait l'homme qui joue la 15e minute dans cette deuxième mi-temps. Pample. Oui. Sorti en touche au milieu du terrain, il combine bien, il y a faute, oui. Il y a faute accordée par les très très bons arbitres Youssef S. Rayoui à Kalamou dans l'équipe du FC Mundi. Mais ce ballon est arrivé entre les mains. L'équipe de l'SV Club, on a l'impression qu'il cherche un troisième but pour se rassurer. Oh voilà, il va récupérer ce ballon.